Bonjour et bienvenue dans Grand Angle pour la suite des aventures des jeunes de Canala qui profitent de leurs vacances pour construire un préau pour leur commune. Une expérience particulièrement intéressante qui les a conduits à vivre en communauté le temps du chantier. Alors comment se sont-ils adaptés à cette vie de groupe qui impose le respect de certaines règles? Ont-ils accepté de se prêter au jeu des tâches ménagères? C'est ce qu'a voulu savoir notre journaliste Vanessa Kédé. On regarde. J'ai rêvé à une autre terre, à d'autres horizons. J'ai rêvé de mes autres. Nous ne venons pas de la même tribu quoi. Il y en a des autres qui viennent de Nakati. Puis des autres qui viennent du village, puis moi, par exemple, moi je viens de Mérénémé. Pendant ces 4 jours, je suis contente parce que je me suis fait des amis. Parce qu'on ne vient pas tous de la même tribu. Cette semaine, a appris aux enfants à se connaître déjà, les enfants de Canala. Que les enfants puissent partager aussi, surtout à se connaître. Hein. Il y a des enfants de Jelima ne connaissent pas les enfants de Kakor, des enfants de Kakor ne connaissent pas d'autres enfants d'autres tribus. Hein. Regardez le filet. Les filets. Dans la filet. Il y a 100. Je suis content d'avoir rencontré d'autres enfants parce que d'habitude on n'est pas beaucoup quand on joue. Je connaissais personne, enfin si, je connaissais seulement de la semaine dernière parce que j'étais au centre avec eux, mais sinon je connaissais pas. Et s'aimer entre ciel et mer, grain de sable dans un océan. Il a perdu que tant d'espoir. Voir un jour sans y croire vraiment. Si c'est bien, peu importe l'âge, on est tous dans le même groupe, donc on peut tous se voir. Quand on est parti promener, on a ramassé des coquillages et puis un crabe. Ça m'a marqué le crabe parce que c'est pas souvent qu'on attrape des crabes ici, il faut aller loin. C'est pas une mèche. C'est bien d'aller à la mer regarder les filets. Ça fait longtemps qu'on demande d'aller pêcher et tout. À Nouméa, j'habite dans un appartement donc je peux pas trop. Le plus important, c'est pas d'attraper le requin, c'est de survivre. Parce que quand tu vas sauter, ben, là, le seul truc que le requin va faire, c'est te sauter dessus. Et regarde comment les intervenants pêchent leur montre, comment on va tirer un filet, comment on fabrique une ligne. Parce que tout ce qu'il y a ici dans la mer, c'est du bio. Hein. Tout ce qu'on pêche ici dans la mer, voilà, le mange. Aussi bien les coquillages qu'on ramasse pour manger. Voilà que c'est la terre, elle est nourricière. Hein. On les fait apprendre que voilà, tout ce qui est ici, ben, on peut manger. Voilà.
Aujourd'hui, j'ai aimé faire la pêche, faire construire la cuisine. Mais faut pas tirer. Ne tirez pas les piquets. On va finir avec l'aménagement aussi des petits coins feu pour les marmitons, pour qu'ils puissent faire proprement leur petite cuisine. Mais ça reste toujours camping, hein. C'est pas du ciment ou du machin, c'est des petites maisons qui sont en dur, comme ça protège des vents ou des dépressions, tout ça, parce qu'on parle beaucoup maintenant de réchauffement climatique. Alors le temps il change, hein. Mina, ça y est, ok, c'est bon. Deux bidons d'essence. Ok. Moi, la responsable, on met des objectifs à travers ces coins-là pour que les enfants puissent atteindre des objectifs, mais c'est des objectifs à long terme. Voilà, on aide un peu les parents à travers ces actions-là. Comme il n'y a pas de télé, alors les enfants, ils vivent avec ce qu'ils ont ici. Ils montent de l'eau, ils arrivent là où ils se rincent, ils lavent leur linge, ils sèchent leur linge, ils ramassent leur linge, ils plient leur linge, ils mettent dans le sac. C'est un peu la continuité des parents. Maintenant que j'ai mis du savon, je brosse. Le fait aussi que les enfants, ils ont beaucoup partagé cette semaine parce que il y a des nouveaux qui sont arrivés dans ces actions-là. C'était une découverte pour eux de découvrir qu'ici, il n'y a pas de cuisinière. C'est eux-mêmes qui font leur cuisine. Le matin, on les aide à préparer le petit déjeuner, ils font leur milo. Il y a beaucoup de petites choses comme ça que ça se passe dans la vie quotidienne. Les filles, elles vont couper en morceaux les viandes. Et après, elles vont les faire cuire. Allez, vous allez là-bas à table, les filles. Voilà. Voilà, vous coupez en morceaux. Donne au chien. Ce coin a permis déjà de se connaître, à beaucoup partager et surtout à partager en équipe. Hein, parce que quand ils viennent en camp, ils partagent beaucoup en équipe. Hein? Non, ça, les citrons, c'est fou. Catherine. Ah. Drôle, j'ai pas dit. J'ai appris que le partage c'est important parce que avant j'étais avare, quand j'avais un gâteau je voulais pas partager, je voulais garder pour moi tout seul. Mais maintenant comment je vois eux partager des choses entre eux, ben ça me donne envie de le faire pareil qu'eux. Ben parce que quand eux ils pensent aux autres, ils pensent pas que à eux seulement. Ils pensent à les autres aussi. Ramukanji,
never sell originally from my homeland. Like my old man said, there's nothing impossible. So we have to bring this message to my brother lyrical. Straight from the crew, out to the blue. We represent the voices of my ancestors calling. And I was getting more sad, my culture is falling. Mes amis, hein, ils m'ont appris à tresser les pandanus parce que je ne savais pas tresser des pandanus. C'est une nouvelle chose que j'ai appris pendant ce temps. Surtout faire les cordes avec. Tout le long de la journée, ils sont avec leur animateur. Et ce camp-là a appris aussi un savoir-faire. Je préfère être ici qu'à la maison parce que ici il y a beaucoup de monde pour jouer et puis faire des ateliers, tout ça. Mais tu peux jouer à plein de choses par rapport à la maison. À la maison, je suis tout seul en train de jouer au vélo puis à la PS3. Mon rôle d'animatrice, c'est d'encadrer les enfants, de les animer, de les occuper, de proposer des activités. Quel jeu ? Quoi ? Ben celui-là que vous avez fait là. Non, mais c'est pas un jeu. C'est... c'est une surprise pour les parents. Voilà. Ben justement, il faut me dire, comme ça je place là. Ça va pas être dedans. Cette journée, ben, y a les parents qui arrivent. Les parents, ils vont arriver à 13h. Ils vont venir voir ce que les enfants ont fait pendant ces 5 jours passés ici au camp de Nainou. Ils vont venir voir ce que les enfants ils ont fait tout durant toute cette semaine. Deux petits bois comme ça. Et toi tu vas où? Je regarde. Plein de petits bois. Lorenzo. On aura fini de charger. Va, tapez là. Écoutez Jonathan. Écoutez Jonathan, c'est bien ce que tu as dit là. Vas-y, redis. Ah oui. Comme il était le gardien, après comme la princesse elle a rejeté lui, elle l'a mis à la porte, il est devenu un clochard. Non, il s'est mis à la prison tout seul. Mais non, mais ça fait rien. Non, mais vous pouvez commencer. Alors comment vous allez commencer? Princesse. Oui, vous jouez le jeu. Oui, voilà, quand il est sorti de prison, il était bête parce qu'il aurait dû rester en prison. Il avait à manger que quand il est sorti de prison. Donc là, vous allez commencer par. C'est l'histoire de la princesse. Oui. Ok. Ils sont très excités de voir leurs parents et de montrer ce qu'ils ont fait pendant cette semaine. Et ce soir, on va montrer des petites danses, des petits jeux. Des sketchs qu'ils ont préparés durant cette semaine pour leurs parents. Après, c'est votre sketch, il va être un peu long. Oui, les deux sketchs, sketch, il est bien. Mais essayez de le regrouper le en un seul. Sina upai, siyaza kwa zi eshi.
gara usifai Mary yao pofu wa macho kwa yare na yoya kona. Si je me suis maquillée, c'est pour ce jour en particulier, parce qu'aujourd'hui on est le quatrième jour. Les parents eux, sont arrivés de Canala pour venir nous voir ici à Nenou pour le spectacle ce soir. Et puis c'est pour intéresser aussi les parents aussi à venir voir ce que les enfants y font. Parce qu'on pense toujours que les garderies et plutôt les centres et des camps, c'est des garderies. Non, c'est pas des garderies. C'est pour que l'enfant il ait aussi un accompagnement aussi à côté de leurs parents. Qui viennent ici, ce n'est pas une garderie où on les garde et puis après ils repartent, ils reviennent. Non, ils repartent avec un... On sait qu'ils ont acquis, moi je sais à 100% qu'ils ont acquis quelque chose, au moins un petit truc qu'ils ont acquis durant cette semaine. Ce n'est pas tout qu'ils ont acquis, mais au moins une petite chose qu'ils ont acquis durant cette semaine. Et ils repartiront, nous on sera contents qu'ils repartiront très fiers d'avoir passé ces 5 jours ici. Là, les enfants, vous avez les beignets de sardines. Hein? Quoi? Sarina! C'est moi! Ah bah comme ça, c'est bien. C'est... Everybody good, good now. Everybody good now. Y'a plus de musique, allez. Je vous présente Miss Lifou. Ses affaires pour pouvoir se préparer pour partir. Vous remercie aussi nous parce que nous aussi on a passé une bonne semaine avec vous, même si des fois il faut crier, mais c'est toujours bien d'être avec vous. Merci et vous allez beaucoup nous manquer. Et bon courage encore pour l'école. Merci. La semaine prochaine, rentrez bien à l'école et surtout faut pas oublier tout ce qu'on a fait ici. Quand vous rentrez, il faut le faire à la maison.
c'est-à-dire plier son linge, son pull, tout ce que vous avez fait ici, vous avez appris avec nous, il faut le continuer à la maison. Continuez à faire ça. Et partagez avec tous vos frères, tous vos petits cousins, vos petites sœurs qui sont là-haut. Partagez avec eux ce que vous avez vécu ici à la mer. Voilà. Et on se dit à la prochaine, au mois de janvier 2016. 2016, le 13. Okay. Le fait de voir que ma fille s'est investie ici, ben ça fait plaisir. Je vois qu'elle a passé du bon temps, qu'elle s'est bien intégrée avec les copines. Puis de voir effectivement que comme ça, il y a un souvenir pour elle, que d'avoir mis cet arbre-là, comme ça, plus tard, quand elle reviendra, elle pourra voir ce qu'elle avait fait lors de son premier camp. Je trouve que pour une première fois c'était bien, je me suis bien amusée et tout. Je me suis fait des amis, on s'est bien amusé. Tous les jours on s'est baigné, ça c'est bien. Et à chaque fois c'était des jeux différents, on faisait tout le temps des trucs. Ça me rend heureux de participer avec mes camarades parce que les amis, c'est pour moi ça compte beaucoup. 2, 3, ok, ok, ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok. À 37. 38. 39. Sensationnel. Cagou, 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 cagou. Mamie, c'est ton fils qui te parle. Voilà, il fait dire au revoir. Allez, au revoir, fini, stoppé. Au revoir pour notre aventure, bye bye. Bye bye, tata, bisous. Nana. Voilà, cette belle expérience du camp de vacances Donnez-nous est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans Grand Angle. En attendant, sachez que vous pouvez revoir nos émissions sur notre site internet www.nctv.nc. À bientôt.